Alors, là il est passé, il a gagné une case, mais il n'est pas encore dans la ville. Hein. La ville, elle est là, si je ne me trompe pas. Alors, il se défend, il est venu me rechercher des trucs, l'autre m'a attaqué, je perds 100. Mais c'est ouf, ça va tellement vite. Tu m'attaques à deux dessus, est-ce que je perds quelque chose? J'ai pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, nous avons buté 1100 infanteries, 10 tanks, et on a perdu en tout 300 infanteries. Et nous voici avec 3 décisions. Et j'ai un increase, et le meilleur que je puisse avoir, 25%. Hein, pour avoir plus 10, je vais pouvoir plus 20 aussi peut-être, mais là on a du plus 25. Mais c'est des sales, ça. Ça, c'est pas le truc sur le revenu, c'est sur les ventes. Donc les ventes que les privés font avec les traders, avec les marchands. Mais bon, c'est très bien. J'ai essayé d'aller jusqu'à 50 avec celui-là. Et alors là, on peut donner des sous à un leader. Mais généralement, j'utilise pas trop ça. On touche un propagandiste, un militant propagandiste. Nous avons un petit problème avec Aaron, mais lui, je vais le faire passer. De toute façon, Aaron va devenir c'est parce qu'il est dans le pool où il n'y a personne, quoi. Il n'a pas de boulot, je veux dire. Bon, alors tu m'as donné quoi, mec? Next battle. Alors la battle, next battle. De nouveau, il m'envoie à Outsiplou le bain-pied. Allez, on avance. Donc là-bas, il se déplace. Il attaque avec des avions. Donc on voit qu'il a des bombers. Hein. Donc quand je me battrai contre lui, il me faudra mes chasseurs pour. Si jamais il veut venir m'enquiquiner. Hein. Donc là, ça, à mon avis, c'est ceci. Taux de déplacement. Là, ils ont repris une position. Ils attaquent de nouveau dans les forêts. Ils sont passés. Ils reviennent. Ça, c'est quoi ça? Donc, ah, c'était ceux-là, ils se déplacent vers l'intérieur, ok. Ils reprennent, je sais pas pourquoi ils font comme ça. Là, ils se déplacent dans les ruines. Là, nous avons les Yétis du Nord, là, des grands froids. Et là, ils sont à 60. Enfin, ce qu'on voit, ils sont à 60. Et là, à 14. Là, ils nous attaquent avec 1200. Et là-dedans, il n'y a pas de char. Mais bon, ils en perdent 300. Moi, je perds 100. Ok, ça va, c'est correct. Hein. Et c'est de la milice. C'est des RPG. Donc, ça va. Ensuite, tu vas m'attaquer aussi là, avec tes 12 petits bidules. Enfin, tes 12. Tes 2000 raiders. Et tu en perds 400, mais je perds une milice et de nouveau l'RPG. J'ai l'impression que l'RPG là n'a pas l'air d'être très costaud, hein, les RPG là. Voilà. Et enfin, tu m'attaques là-bas et tu te prends une méchante raclée de 300 bikers, de 100 slavers et de 10 buggy. Ok. Et j'ai aucune perte. Faut dire que là, j'ai rajouté. Non, j'ai rien rajouté du tout. Ils sont. C'était deux équipes de. Ok, ça va. C'est parfait. C'est parfait. Donc, pas de problème pour nous. Voilà. Je n'ai pas reçu mes militaires. Enfin, j'ai pas tout reçu, quoi, disons plutôt. Là, j'ai reçu, mais il y avait sans doute pas assez de monde.
Oui. Donc là, normalement, ceux-ci devraient avoir du monde qui va revenir. Comment va-t-on faire ça? Est-ce que... Donc, ils tiennent toujours le coup. Mais... Ça m'embête un petit peu. Parce que quand eux auront terminé de prendre ceci, eh bien, tout ça va leur appartenir. Ici, c'est quoi? C'est de l'agriculture, tu vois. Là, c'est de la toundra, l'agriculture. Ça, c'est intéressant parce que c'est de la ruine. Mais j'aime bien voir la ruine. Mais malheureusement, il y a ce mec-là qui me gêne, je vais dire. Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ici, il y a pas ben, du monde, mais ils sont dans quel état? Ils ont plus que 37, tu vois là, 37 de morale. Ils n'ont pas de truc. 41 de morale. Là, ceux-là, ils ont un petit peu plus de morale, mais bon, il n'y a pas grand monde là-dedans. Hein. Ils sont 100, des buggy, 100 bikers. Là, c'est des camions, on s'en fout un petit peu. Bon, tu vois bien, ils en ont sans doute un petit peu plus, hein, mais. Et enfin, ils ont ici 500 raiders avec un moral dans les chaussettes aussi. Je pense que on devrait pouvoir leur rentrer dedans. Qu'est-ce que j'ai comme décision tout d'abord à prendre? Alors, la colline de lithium, notre amie ici, Taurine, demande la permission pour une garde personnelle, sans aucun problème, mon ami, tu auras ça. Ça, vous ne refusez jamais, même si ça me donne des trucs qui ne sont pas les plus intéressants là, mais je vais te la donner quand même, parce que c'est bien, c'est très très bien. Surtout que ce mec, il est très 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 bien, mon petit gouverneur là. C'est un très bon gouverneur, 22 d'ambition, il est héroïque. Donc tu vas avoir ça, mon ami, ne t'en fais pas, je te le donne, même si malheureusement, ça va monter l'autocratie qui va venir bouffer sur ma... Peut-être pas trop, non. Et 6 de fist. Ouais, non, je vais te prendre quand même. Alors, autrement, on a quoi? On a une nouvelle demande. Et tu voudrais que notre morale de soldat passe à 76. Mais je vais accepter également, c'est parfait, parfait. Et la dernière, nous avons des doigts très, 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 très agiles dans le second garde-bataillon. Second Earthscrown garde-bataillon. Ça devait être des miliciens, ça. Agile et astucieux, je pense plutôt. Alors, nimble, astucieux ou quelque chose comme ça. Et puis, il est intelligent. Bah, il est smart, ok. Donc, nous allons lui donner un training spécial. Bon, alors, on a deux types de training. Puisque je vais avoir beaucoup de healers, on pourra. Mais on ne peut pas encore maintenant, on n'a pas les trucs qu'il faut. Mais si jamais on va avoir des cartes de fées dès qu'on aura bouffé la ville là, la ville là, hein, la ville ici en tout cas, et là on va recevoir des cartes de fées et des cartes pour pouvoir gagner de la fée, des cartes rouges. Comme on avait eu la rébellion en tout début de partie. Et il y a, on va en recevoir certainement au moins une. Et. Il y en a là-dedans qui peuvent donner du danger. Et comme si on augmente bien notre heurte de nouveau, on sait que le danger s'applique à peu près plus. Ça réduit l'effet négatif dans nos zones. Et donc, ça me permettrait d'utiliser cette carte-là. Donc, on va prévoir, on va faire ça. On va faire ça. Donc, je veux un tribal healer. Boum. J'ai oublié de regarder ce que c'était. C'est le deuxième Earthscrown Guard Battalion. C'est marrant, t'as pas changé le nom en Kareka. T'aurais dû. Normalement, me changer le nom. Le deuxième, donc ça doit être dans les miliciens.
Le numéro 2, comment est-ce que je vais savoir ça, moi? Le deuxième Urskron, premier Urskron, deuxième Urskron, garde bataillon, le voilà. Mon Dieu, comment il est habillé celui-là? Donc, c'est carrément le leader tribal, oui. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau, toi? Tu ne viens qu'avec une seule sous-unité. Ah, ok. Et si la troupe souffre un kill, le leader a 30% de le transformer en une retraite. Bon. Ok, c'est pas énorme, hein, mais c'est bon, bah, si jamais ça tombe dedans, ben c'est bien. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Bon. Bon, je suis là. Les miliciens, c'est pas tellement important. Puisqu'au bout d'un moment, les miliciens, tout ce qu'ils vont faire, ils vont rentrer dans les villes. Hein. Et je vais remballer mes autres personnages à la place. Hein. Donc on a fait ça, on passe de nouveau ici. Bah oui, mon gars, oui, j'accepte, bien sûr que j'accepte. Bien sûr qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord. Hein, toi, tu serais pas d'accord, toi? Tu rigoles ou quoi? Non, non, alors, boum. Et tout le monde gagne des points, pas de problème. Donc, là, tu nous demandes que les soldats, on arrive à une morale de 76, on est à 71, je ne crois pas que j'aurai de problème pour pouvoir accepter ce petit truc-là. Voilà. Donc, on a beaucoup, 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 beaucoup avancé. Et nous avons maintenant, c'est marrant ça. C'est l'autocratie qui est passée en tête. L'autocratie est passée en tête avec 52 points. Suivi de près dans le peloton de 49 et la méritocratie qui est en queue de peloton près de la voiture balai. Mais bon, tout le monde se tient dans un fil, hein, 49 plus 52 de nouveau. Ben, ça fait 101, donc normalement, lui, il va diminuer de 1 point. Ouais, ok, bon, ça va. Hein. Comme j'ai dit, maintenant, il n'est plus un. On a eu tout ce qu'on voulait, de toute façon. Bon, il faudrait faire descendre ça, il faudrait que la méritocratie, j'aurais quand même bien voulu qu'elle gagne, mais on va récupérer, tout ça va se faire tout seul. Le tout, c'est de ne pas fâcher trop nos leaders, maintenant. Et nous allons d'ailleurs nous occuper de nos leaders. Où est-ce qu'on en est? Donc, mademoiselle, vous allez changer de position. Je voudrais que vous ne soyez plus à cet endroit-là. Mais on va quand même checker si nous avons des majeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos majeurs? Alors, nous avons beaucoup de petites choses. On va déjà regarder le gift. Est-ce qu'on peut donner du gift à. Il y a que celle-ci qui serait d'accord, normalement. 133. Mais non. Non, non. 111. 145. C'est trop cher pour l'instant. Une ambassade. Mademoiselle Wilhelms. Vous dites non. On a un gros nom, là. C'est un niet catégorique. On peut ouvrir contact. Est-ce que ça a encore augmenté? Zandmark, tu veux quoi? Oupa! Oupa, oupa, oupa! Oupa! Alors, ce monsieur serait d'accord que j'ouvre le contact avec lui. Brunmark est encore un petit peu à l'arrière. Mais là, je pourrais très, très, très bien. 50 pour 62. Je ne vois pas de difficulté à faire ça. Je vois même un bon intérêt à faire ça, parce que il va finir par bouffer le White State. Et si je peux me garantir une petite frontière pépère, tout ça dans le bas, que je n'ai qu'à me garantir une frontière, je veux dire, comme ça à peu près, tu vois, de cette manière-ci, parce que eux, pour le moment, ils sont pas terribles avec nous. Il faut s'attendre à tout moment qu'ils nous attaquent, ça c'est sûr et certain. Et une coopération scientifique, il faut combien? Minimum 50 qu'il faut. Écoutez, moi je pense qu'on va d'abord, avant de faire ça, on va aller chercher
notre petite madame, dans le cabinet Overview. Toi, mon ami, je t'appelle, je t'attache à Madame Foreign Office. En plus, elle a 75, ce qui est parfait. Voilà. Normalement, elle doit toujours être à 75, hein, je suppose. Elle n'a pas diminué déjà. Non, elle n'a pas diminué du tout. On prend notre stratagème. Open Contact. On target ici. Voilà. Ne me fais pas le mauvais coup de te faire deux fois en dessous de 7 points. Hein. Normalement, il ne devrait pas avoir de pépin. Non, bien sûr. Critical success. Jean-Marc nous a rejoint et ils nous ont également échangé des envoyés avec nous. On a fait un superbe 153 points. Donc, 91 points, hein, comme vous dites ça. Parfait. Donc là, je ne peux plus rien faire avec lui. Mais il est passé quoi, le petit I d'abord. Voilà. Donc ces gens-là, Zandmark, sont passés à 53. Ils sont passés à 53. Je pense que le tour prochain, on devrait commencer à avoir des renseignements sur eux. Voilà une très bonne chose de fait. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vous autres, par contre, vous êtes toujours à 44 et vous êtes toujours des crusaders, ce qui me gêne encore. Bon, moi, je vais dire que, est-ce que non, je crois qu'on n'a plus rien maintenant d'intéressant. Les mineurs, on s'en fout. Le spy, non. Ici, oui, toi. Ça, c'est pour notre indécent plus 80, tu vois. Et on a une petite difficulté de 50, donc voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai 80? J'ai 80 parce qu'elle a 90, donc elle gagne déjà 10 points normalement, et plus son administration. Ça lui fait 64, 74, 74, hein, 74. Et pas d'improvisation, puisque normalement, s'il n'y a pas de truc. Je ne sais pas pourquoi il me donne 4 points, 6 points en plus, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je suis tout à fait intéressé. Merci madame, faites-moi ça gentiment. Tu aurais pu me faire un petit. Mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Un critical n'aurait rien modifié. Ok, on passe dans nos reps, on vérifie, mais normalement, même si c'est du real-time. J'ai 25 de taxes, mais pour le moment, les revenus ont déjà été distribués en début de partie, en début de tour. Stratégie, c'est je crois que c'est fini, hein, stratégie. Ouais, on a les leaders. Garde personnelle, pas besoin de le donner. Médaille du mérite 17. Un gift de 200, non. Je ne vais pas le donner maintenant. Donc, ça serait quoi? Un critical success, et ça, c'est donc normalement lancé, mais il demande, il fait avec quoi? Il fait avec quoi? Admettons que je fasse ceci. Et que je target, voilà, par exemple. Et ça, c'est du leader skill. Du leadership. C'est du leadership. C'est du leadership. Elle a quoi? Elle a du leadership. Voilà, elle a 29 de leadership, 61. C'est parfait. C'est parfait. Et je crois qu'elle aura aussi besoin peut-être d'oratoire quand on va devoir pour pouvoir virer les gens. Mais donc on voit que déjà, ça commence à nous donner. Donc j'ai bien fait de la choisir, elle. Ok, bon, enfin soit, j'ai bien fait de la choisir tout court. Bon, on va attaquer ces gens-là. Va directement les attaquer. Je ne pense pas que ça vaille la. Autant aller le plus vite possible. Normalement, je pensais venir ici et puis faire un beau petit encerclement avec deux tchaks. Mais je pense qu'on devrait arriver à aller
Buter, regardez, j'ai déjà du 1-1. Rien qu'avec mon char, quoi. Rien qu'avec le char, tout seul, j'ai déjà du 1-1. Donc, on va plutôt déjà se faire un petit coup d'air attaque. Je dirais, j'ai combien? J'ai 128. On va faire un petit coup d'air reconnect notre numéro 2 qui est là-bas. Donc, on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, comme ça, j'ouvre bien, je suis à peu près sûr de ce qui va se passer. Voilà, nous avons vu que ben, nous sommes maintenant à 233. Page 1, page 2, zoom out. Effectivement, il n'y a pas énormément de monde là-dedans. Non, non, il n'y a pas grand monde. Non, non, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de char. Il y a deux, trois petits bidules comme ça, et ces gens-là sont un, combien? Ils sont un moral de 50, moral de 34. Eux, ils vont mourir tout de suite. Moral de 34, tu vois. Donc, ceux-là, ils vont disparaître tout de suite. Toute cette grosse bande. La grosse bande qui est là, elle va tenir, allez, 4 tours, 5 tours, gros maximum. Ceux qui vont rester, ça va être un. Ah, ils ont d'entrenchement, ceux-là. Ils ont 125. Comment ça, ils ont 125? Ouais, ok. Et vous autres? Vous autres, vous avez 50 de morale aussi, 125 d'entrenchment. Par contre, les petites mobinettes là, elles n'ont pas d'un. Elles ont aussi 125 d'entrenchment. Tiens, tiens. Elles ont du readiness aussi. Par contre, eux, ils n'ont même pas de readiness. Ils n'ont plus que 43, tu vois. Ok, et ici au-dessus, morale 50, ils vont aussi. Readiness de 100. Ok. Ok, on fait maintenant, non, on continue, on attaque ici, on dit que nous prenons une air attaque, voilà, c'est parti, allez, roule ma poule, espérons que tu vas me faire des petites choses intéressantes, normalement les deux premiers tours quand vous attaquez, vous avez moins 100 et moins 80%, je crois, un peu comme ces bidules-là, non, ça je crois que c'est quand on se fait attaquer, enfin, je suis pas sûr, oh, j'en ai un qui a été touché. Il en a un qui touche quand même, c'est bien deux fois. C'est bien trois fois. Ok, c'est bon. Toi, t'as bien joué. C'est bien, mon garçon. T'auras une bise en ovale. 43 sur 38. Ok. Bon. Et puis, maintenant, on y va. On attaque. Alors, je veux mon char. Bien entendu, je veux ceci également. Et on va prendre tout ce qui est bleu. Hein. On va pas s'embêter. 10, 10, 10. Alors, j'ai quoi? J'ai du 2,7. 40%. Tu vois, si je mets ça, ben, j'ai plus que 20%. Tu vois, si je mets tous ces trucs-là. J'ai plus que 20%. Et je ne veux pas avoir 20%, je ne veux pas avoir ça non plus. Et tu as vu, en mettant tous ces bidules-là, j'ai un petit 3 contre 1, quoi, comme différence. Si j'enlève tous ces trucs-là, au contraire, bah, je suis à 2,7. Je suis à 2,7. Peut-être bien qu'en enlevant ceux-ci qui ne sont pas trop en forme, 2,5, non, 2, on va regarder quand même les deux derniers ici. Voilà. Touc! Allez. Ah oui, parce qu'il y a le 40%, je n'aurais pas pu enlever celui-là. 2,4, je pense que. 336, 815. On a de l'expérience, nous autres. 34, 35. Lui, il a 20% d'expérience. Bah, ça. On va les buter à l'aise, blaise. Regardons ça. Allez, zoom out. Non, next round. Boum, ils nous touchent une fois, on les touche une fois, leur buggy en plus. Next. J'adore attaquer avec ça. Et alors vous allez voir, quand on va avoir un canon plus gros, il faut avoir un canon, ou au moins le canon qui fasse 400 firepower, vous allez pouvoir tirer deux fois. Et plus vous montez dans le firepower, plus vous allez pouvoir tirer deux fois par tour. Trois fois, quatre fois, etc. Et ça, c'est excellent. Bon, regarde, voilà, tout à fait. Ici, ceux-ci vont commencer à foutre le camp de ces vitesses, alors que ceux-ci sont déjà partis. Allez,
C'est fait, ça, c'est touc. Combien de tours? Trois tours, hein, je perds un petit peu là. Voilà, ils ont capitulé. Ils n'avaient pas plus assez de morale. Hop, au revoir, messieurs, dames. Il reste plus que ceci. Il n'y a plus que ceci. Next. Maintenant, ça, mes charpes pourront s'en occuper sans aucun problème. Nous sommes toujours là. Ça y est, ils commencent à retraiter. C'est fait, ils sont foutus. Je serais intéressé de savoir si ceux-ci vont faire un breakthrough. Ça m'étonnerait. Donc, eux, ils partent en breakthrough, ce qui est logique. Eux aussi, normalement. Voilà. Broken through, ils appellent ça. Broken through. Par contre, ceux-ci n'y vont pas. Ceux-ci ne vont pas en broken through. Ils tirent de l'arrière. Ok. Round 6. Round 7 et 7, ça va être terminé. Voilà. Attaqueur 1. Il n'y avait pas besoin de se fatiguer plus. Malgré tout, mon SHQ, là, tu vois, il n'est pas terrible. Hein. Si je peux en trouver un autre que celui-là, le problème, c'est qu'il a une seniority de 100 points. Bon, qui est-ce qui m'a fait un max de points là-dedans? Bien entendu, les chars. Ça fait du dégât parce qu'ils ont beaucoup de max attaque et donc ils sont souvent attaqués. Attaque done this turn, been attacked, non, n'a pas été attaqué. Enfin, ce tour-ci ne pourrait pas avoir été attaqué puisqu'on est au dernier tour et tout le monde est parti. Tu me dis quoi là? Dans les messages, on a donc 244 points de dégâts on a fait aux assets dans l'exé. Hein. 13 à chaque fois que ceux-ci ont. Parce que là, les points que vous faites de dégâts, que vous touchiez ou que vous ne touchiez pas, vous allez donner des points de dégâts. Vous allez donner des points aux structures. Donc eux 13 par chaque fois qu'ils tirent et eux 10 à chaque fois qu'ils tiraient. On avait vu ça dans. Alors moi, je regarde si je n'ai pas perdu. Et ça, c'est génial parce que je n'ai pas perdu. De fit. Le petit bidule qui vient avec, tu vois, des trucs comme ça. All right, avec les Eternity Guru. Eh bien, je suis très très content. Voilà. Bon. On a été plus vite que prévu. Donc, ceux-là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître le tour prochain, dans tous les cas. Je vais faire quoi? Il peut plus bouger de toute façon, lui. Il peut pas bouger ici. Vous autres, bon, ben. Bah, de toute façon, tu peux plus faire grand-chose. Vous autres, vous pouvez bouger. Donc, je peux venir ici. Je vais venir ici pour que l'autre ne vienne pas là. Enfin, ouais, parce que eux, comme je suis en guerre, eux, ils peuvent venir où ils veulent. Donc, c'est peut-être un peu dangereux ce que j'ai fait là. Ah, ça y est, j'ai ouvert mon petit truc. Tu peux y aller ou pas? Non, tu peux plus y aller, t'as pas assez de points. Mon char. Il peut aller avec là. Ça c'est un petit peu chiant. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui peut bouger ici? Oui, toi tu peux venir ici. Tu peux venir ici, tu pourrais venir là, mais au moins tu peux venir jusqu'ici. Boum. Ok. Mon chat, bah il va venir là. Autant mettre des gens dedans. Toi, tu rentres dedans aussi. Nous autres. Toi, tu rentres dedans. Toi, bah, tu peux aller où tu veux, mec. Hein. Je peux t'envoyer. Qu'est-ce qui te reste, toi? T'es tout seul, mon petit. Ouais, t'es tout seul. On va maintenant commencer. Ah, on va envoyer les rouges par ici. Boum. Bon, vous autres, vous venez là-dedans. Ça, c'est sûr. Combien ça me fait de people là-dedans? Ça fait pas assez. 1000, 2000, 3000, 3005, 4000. 4000, ça fait pour 20 000 personnes. Allez, il en faut plus que ça.
Donc vous autres, mon cher ami. Alors, je peux directement lui rajouter des gens, mais ça ne va pas servir à grand-chose. On va lui rajouter des gens après. On va le mettre là. Ok. Ensuite, toi. Toi, tu n'as pas le choix que de rentrer à l'intérieur. Par contre, toi, tu pourrais très bien venir avec ce monsieur-ci. Voilà. Donc, comme ça, j'ai quand même 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 6 000 et ça fait 7 000 people à peu près. 6 500, 7 000 people. Fois 5, ça fait 35 000. Je ne sais pas combien on sonne people là-dedans. J'aurais dû regarder avant, mais c'est pas très grave. Donc là, on a fait tout notre petit tour. Les gens sont protégés correctement ici. Je vais appeler mon First SHQ et je vais lui mettre 700 troupes. Alors, dom-dom-dom, 700 troupes. Voilà, nous avons gaspillé un petit peu de... Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Je n'ai strictement rien perdu d'autre. Je crois qu'on a perdu 300 people, c'est tout dans l'histoire. Il me faut des munitions, alors. Munitions. Des munitions. Un petit peu, une centaine de munitions. Allez hop, pour être sûr. Tiens, voilà, c'est jamais. C'est bon. Ok, est-ce que on n'a toujours rien trouvé malheureusement là-dedans? On n'a toujours rien trouvé là-dedans. Je voudrais bien qu'il me montre des petits triangles et pour me dire ainsi, voilà, cher monsieur, nous avons trouvé des artefacts, mais ce n'est pas encore le cas. On va également... Il va falloir faire une chose. Ici, je peux pas. C'est pas encore chez moi. C'est Hanson. C'est toujours Hanson. Hein? Note qui dit que c'est Carica Union. Donc, est-ce que je peux déjà faire un T là-dedans? Un petit T. Oui, je peux faire un petit T. J'enlève les pull points et je bloque tout à ma gauche. Parfait. Voilà. Pas la peine d'aller plus loin, hein? À partir d'ici, on peut aller sans aucun problème jusqu'à ce camion qui est là-bas. Ou jusqu'ici. Lui, par contre, il n'a même pas besoin de quoi que ce soit. Par contre, on va également... Je pense que nous allons monter une petite route. Alors, où est-ce qu'on monterait une petite route? Ça me coûte quoi? 54 points. Là, c'est du 40 points dans la forêt. Là, ça ferait 48. Ça, c'est du 54, mais ça me permet de foncer jusque-là. On va se permettre de faire ça. Ça coûte pas très cher. Par contre, il faut bien entendu de nouveau un petit T et automatiquement bloquer des pull points et dire oh là, voilà, pam, touc, comme ça on est tranquille. Bien, 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 bien. Et donc normalement, le tour prochain, on devrait voir qu'on peut aller là. Qu'on pourra certainement aller tout ça sans aucun problème. Et puis 1, 2, 3 et 4, pas de problème, on pourra tenir ce truc-là aussi. Je pense. Je pense. De toute façon, on voit bien qu'on n'a pas de difficulté pour le moment avec nos petits points ici. Ça, qu'est-ce que je voudrais bien monter à nouveau. Donc là, pour le moment, on a 245 par tour de métal. On a 379, donc j'ai assez pour me construire une armée. Malheureusement, bien entendu,
On n'a pas assez ici de points. Ici, j'ai 19 800. 1, 2, 3, 4, 5 cases. Je crois qu'on va se lancer dans une construction de métal, enfin de... Voilà. On peut se faire un recycling. On peut se faire un petit recycling. Il va me coûter pas grand-chose. Ouais. Tant qu'on a le monde pour le faire, tant qu'on n'a pas trop de problèmes, autant y aller tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Ah, j'ai dit je vais le faire, puis je ne le fais pas. Donc, je démarre une facility à cet endroit-là. Il n'y a pas besoin de construire de route, elle est déjà là. Voilà. Et puis on verra ce que ça va nous donner. Est-ce que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5? Est-ce que j'aurai 250% de production supplémentaire? Nous le saurons dans 2 tours. Nous le saurons dans 2 tours. Maintenant, il faut que je prévoie mon nouveau gouverneur ici. Donc, on va aller voir nos organes. Nous allons aller ici et je veux descendre, je vois plus clair. Et on va aller dans notre petit cabinet. Dans le cabinet, nous allons appeler notre ami Mitch Void, qui va devenir notre nouveau Foreign Council. Elle va devenir. Elle va devenir le Supreme Command. Le Supreme Command va devenir le Model Design. Et le Model Design va devenir notre nouveau gouverneur. Même s'il n'a rien ici pour le moment, il a déjà un très beau petit médical qui est là. Il peut aller jusque plus de 100 points. Hein, donc 68 de level, plus les 34, ça lui fait 112. 102 points qu'il pourra faire au maximum là-dedans, en total, hein, je parle. Mais il a un très très beau charisme à 19 ans. Il a une ambition de 51, pas beaucoup d'égoïsme, bah, l'héroïsme un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait, mais avec son 51, il va accepter. Bon, il va perdre des points, ça c'est sûr. Il n'aura pas le 99, il va redescendre dans les 50 de job. Hein? Mais voilà. Voilà, il est pas mal. Je peux même lui donner du pognon et salary effect, etc., etc. Donc, mon ami, je t'appelle là. Et je te dis que je te relève et que je te donne un autre job. Je ne peux pas lui dire que je lui donne un super job, malheureusement. Donc, tu perds 22 points. Ok, c'est pas grave pour ce tour-ci. Glitch, même chose pour toi, mon ami, je t'appelle, je te relève et je te donne un autre job. Malheureusement, toi, tu vas me faire un des points de dégâts en plus, moins 27, boum. Ok. Ah, tiens. Pensez à un truc, mais bon, ça, bon, soit. J'appelle Bobby, elle va piquer une crise, hein, ça bien entendu. Et puis Frédéric va piquer une crise aussi. Donc toi, je te relève, boum. Ça coûte cher, autre job, boum. Moins 26 points. Mais les autres ont tous perdu aussi. Et enfin, j'appelle l'advisor et je lui dis relève et better job pour toi. Et c'est les 12 derniers points qui nous restaient. On n'en a plus. C'est tout juste. C'est tout juste. On n'a plus de points du tout. Voilà. Voilà, monsieur. Voilà, madame. Voilà, monsieur. Voilà, madame. Ok, c'est fini, mon kiki. C'est fini, mon kiki. On passe à la suite. Je crois que je n'ai plus de vente à faire. Hein. Celle. Ah, si, je peux vendre du fuel. Vends tout mon fuel. Oh là là. Vends tout ton fuel, mon petit gars. Celle. Voilà. Ensuite, je ne peux pas vendre de bouffe ni d'eau. Ok. Donc, par contre, une autre chose que je voudrais faire. On voit qu'on a dépassé ici. Et. C'est un petit peu idiot de pomper pour rien. C'est même très idiot de pomper pour rien parce qu'il y a, oui, y a une limite, une réserve. C'est comme sur la Terre ici. Hein. Les réserves ne sont pas infinies. Du pétrole, mais il n'y en a plus pour tellement longtemps. En tout cas, il n'y a plus beaucoup de pétrole qu'on peut tirer pour pas trop cher. Et donc,
on va diminuer notre assiette. Ici, je la fous à 25%. Donc, normalement, elle tire 465. Donc, on la descend. Enfin, elle tirait plus normalement, mais comment il va tirer la gueule? voilà, donc on la descend à 25%. Comme je tire aussi encore un petit peu avec l'autre, avec notre petit bidule là, ça ne devrait pas poser de problème. Je pourrais même redescendre l'aviation. Non, ok, on est bon. Allez, c'est parti, mon kiki. On avance.